J'ai déjà volé. J'ai déjà volé comme les aigles au-dessus des collines douces qui font comme des seins dressés d'adolescence. Ouf, chaud. Et broutent de leur bouche de chameau les nuages qui s'effilochent au sortir des mamelons et tapissent le ciel d'un papier peint de tendres coliques diaphanes. Et le ciel bleu a mis ses sous-vêtements blanchâtres et arpente la terre, ma terre, ta terre, notre terre, la sienne, la mienne, la leur. Sur des kilomètres, le ciel est à Limoges, le ciel est à Meuse-en-Bareuil, le ciel est à Loiron-sur-Montagne, le ciel est au Malouines, en Afghanistan, le ciel est à Chengzhou, à Chengzhou. Il a l'air partout, là, le ciel. Mais où est le ciel? Il est là, partout. Ah. Bien joué. Il est là, partout, comme l'œil du toit. L'œil du toit. Au-dessus de ma tête, le rebord de mes pensées, de mes idées les plus volatiles et plus légères, comme tatouer une péniche sur l'épaule d'une cigogne, ou construire une maison à une asperge, ou caresser du pain. Tu sais, tant baguette que campagne. Tout le pain. Tout ce qui fait miche. Alors souvent, à ce moment-là, je vois un lapin. Et je ris de son insouciance, de ses sauts. Et ses sauts me donnent le hoquet. Alors j'ai la frénésie de sauter, ou de creuser des terriers, et de sauter, et de sauter, de sauter encore, et toujours sauter pour rien, entendre mes oreilles se rabattre et flotter dans les airs, dans un cri de fourrure fripée. Et puis, je revois un lapin, alors je ressaute, et les hautes herbes me chatouillent les naseaux. Alors, je vois une pomme de pin allongée sur le flanc, lascivement au sol. Alors je m'allonge à ses côtés, et j'attends, et tandis que mon œil droit voit la terre, ma terre, ta terre, notre terre, la leur, la leur. Sa terre, à lui. Nous, oui, oui, la terre des autres, et des autres. Ça va bien. Tandis que donc je vois ça de mon œil droit, de mon œil gauche, je vois toute cette nature qui se débat. Un pigeon passe et un aigle attend là-haut en faisant des cercles. Alors je me relève sur mes pattes et je saute. Ouf, je saute. Attention à la tête. Il ne m'attrapera jamais. Alors, comme souvent, le garde forestier, Gérald, me demande « Jean-Noël, qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Souvent, je réponds « Oh, rien de spécial. » Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Il est simple d'esprit. C'est fini? Ouais, c'est bien. Ah oui. Ça, c'est épatant. J'aime bien ce que j'écris parce que je trouve que ça me ressemble. C'est épatant. Merci, monsieur. C'est épatant, quoi. Ça vous épate. Je suis vraiment comme des pattes. Mais... Je comprends. Alors, je suis... Attendez, enlevez ce piano parce que dites au type d'aller jouer plus loin. Ouais, c'est vrai que c'était un peu... Je vais dire aux auditeurs, j'ai dû aller m'allonger. C'est arrivé dès le début du poème, comme une envie d'horizontalité. Merci. Ça veut dire que vous êtes assis sur l'horizon du monde. Vous voyez la beauté là où... Où les gens voient autre chose. Ouais. Ben oui, parce que la beauté est partout, je pense, même dans les boyaux de porc.